Ce jour-là, les Boeufs Carottes ont dans leur collimateur le commissariat de Villefranche-sur-Saône, une décente surprise. Et les policiers du coin vont se souvenir des commissaires divisionnaires Garcin et Villard. À eux deux, 45 ans de police. Bonjour madame, nous sommes des collègues de l'IGPN, on veut voir votre chef de service. L'arrivée de l'IGPN dans un commissariat, c'est toujours synonyme de tracasserie. Alors les Boeufs Carottes prennent les devants. Encore une fois, donc l'objectif, c'est pas de stigmatiser des personnes, dire qu'ils travaillent mal, enfin, etc. C'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de révéler les risques qu'on a intervenus à caractère préventif, essentiellement. Pour le commissaire de Villefranche, c'est une longue journée qui commence. Les inspecteurs vont passer le bâtiment au crible. Ils vont tout vérifier, point par point, à commencer par un secteur sensible, les cellules. Le cheminement de vos GAV quand ils arrivent. Là, c'est l'accès aux cellules de garde à vue. Et accessoirement au vestiaire des Donc les détenus, quand ils sont arrêtés par exemple par là-bas, qui passent par où ? Ils sont déposés devant le commissariat. Et ils passent par l'accueil. Obligatoire. Premier problème, un unique accès pour le public et les garder à vue. Une victime peut donc très bien croiser son agresseur. Comment ça fonctionne ? Il est ouvert. Il n'y a pas de système de code de fermeture pour empêcher les évasions. Deuxième problème, l'accès aux cellules est complètement libre. Dans les deux sens, on rentre et on sort comme on veut. Voilà. D'accord. Bon. Ça, c'est les toilettes des détenus. Non. Troisième problème, l'état des cellules. Elles ne sont pas nettoyées assez souvent. Alors, les geôles. Votre système de nettoyage, comment ça se passe ? Vous avez un contrat ? C'est la femme de ménage, oui. Effectivement, ouais, qui a un contrat et qui, dans son contrat, doit passer tous les jours. Oui, je crois, mais elle a passé le temps. Mais surtout, ce matin-là, une cellule est hors d'usage. Un gardé à vue a brisé la vitre. Ah oui. Et voilà. Voilà ce qu'il a fait. D'accord. Voilà, et donc comme nous avons une femme en garde à vue déjà. Ouais. Une cellule en moins, autrement dit, impossible d'accueillir un nouvel interpellé dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Très bien. Si les inspecteurs sont particulièrement vigilants sur la garde à vue, c'est parce qu'un drame peut vite s'y produire. Comme le 6 juillet 2009, dans un commissariat, près de Saint-Étienne. Mohamed Benmouna, 21 ans, avait été placé en garde à vue. Il a été retrouvé pendu dans sa cellule. On a retrouvé près de lui une corde réalisée avec la toile du matelas et fixé dans deux trous percés dans le mur. Pour la famille, ce sont les policiers chargés de sa surveillance qui sont en cause. Le temps qu'il coupe le matelas, le temps qu'il fait le nœud, le temps qu'il fait un trou dans le mur, le temps qu'il se pend, ça demande du temps. Ils s'en fait où, ces policiers, ils s'en fait où? C'est la question aujourd'hui, la vérité, c'est là que je cherche la vérité, moi. L'IGPN a établi les faits. La caméra de vidéosurveillance était floue et la cellule n'était pas aux normes. Aucun policier n'a donc été sanctionné. C'est la vétusté du bâtiment qui a été mise en cause. Ce commissariat n'avait jamais fait l'objet d'une mission d'inspection comme celle-ci. Elle aurait peut-être évité ce drame. D'accord, par brigade. Il y a pas. Les vidéos, elles sont. Pour les gardes à vue. Oui. Donc elles sont là. C'est ce qu'il nous a dit après. En vérifiant le système de vidéosurveillance, les inspecteurs vont trouver une faille. Et celle-là, là. Un voile sur l'écran qui empêche de bien voir le gardé à vue. Pour le commissaire Villard, ce n'est pas satisfaisant. Qui sont les cellules de garde à vue Comme son nom l'indique, gardé à vue. C'est-à-dire qu'on doit l'avoir sous nos yeux en permanence. Ouais. Et il y a un autre endroit sensible que les Boeufs Carottes veulent voir de près, l'armurerie. On va regarder les armes administratives maintenant. Alors, dans la clé, il y a uniquement le chef de poste qui l'a, c'est ça? C'est la code. C'est un code. C'est là sa code. Et qui est-ce qui connaît le code? Tout le monde. Tout le monde. Je vois pas pourquoi tous les fonctionnaires connaissent le code alors que c'est le chef de poste qui remet l'arme. Parce que les chefs de poste changent. Oui, tous les chefs de poste, mais tout le monde n'est pas chef de poste. Presque. Oui, vous faites tourner. On fait le tourner, puis en fonction des absents aussi. Oui, d'accord. Bref, tous les policiers ont facilement accès aux armes. Il faut donc vérifier qu'elles sont toutes bien là. Après vérification auprès des personnels en service, il doit en rester 46. Seulement, le compte ne semble pas bon. Non, c'est que j'ai mal compté, sans doute. Non, non, c'est deux, pas forcément trois, ça. Des fois, quatre, dans ces deux, c'est qu'il y en a un qui sait. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 46. 46. 46.
C'est 46, c'est mal écrit. C'est bon. C'est bon. Donc, on est bon. Soulagement pour le chef de poste, le compte y est. Car les bœufs carottes ne prennent pas pour argent comptant ce que les policiers leur disent. Ils contrôlent tout par eux-mêmes. Exemple avec les scellés, les pièces à conviction des enquêtes en cours. En bas, dans le bureau du chef de service. Tout ce qui a de la valeur, c'est dans le bureau du chef de service. Ici, je mets les scellés les plus volumineux. T'as pas de fiches ? Vous avez pas fait les fiches de scellés, hein ? Il y a de l'argent, de la drogue, des bijoux à conserver en lieu sûr. Mais aussi des objets disparates, par exemple cette disqueuse thermique qui a servi à un cambriolage. Des scellés qui doivent être scrupuleusement répertoriés et rangés. Mais apparemment ici, ce n'est pas toujours le cas. Après, on remet tout dans l'armoire. Non, mais c'est pas après. Le problème, que là, c'est de l'argent et ça arrive dans le bureau. Ah, mais là, ça va partir. Oui, après, ça part dans l'armoire du... Là, on arrive aujourd'hui, c'est pas dans l'armoire. Ouais. Dites-moi. Je suis submergé de travail et j'ai pas le temps de le faire avant. D'accord. L'enregistrement des scellés, c'est un travail fastidieux. Et les policiers ont souvent autre chose à faire. Les enquêteurs repèrent du hashish saisi ce matin. Il n'a rien à faire sur ce bureau. Ça date de quand, là ? Ça date de lundi mardi. Lundi, voilà, très bien, merci monsieur. La procédure est de plus en plus lourde et de plus en plus technique, avec de moins en moins de moyens. Donc, voilà, je vous laisse en tirer les conclusions que vous voulez. Les policiers estiment qu'il est impossible de suivre le règlement à la lettre, car ils sont débordés. Alors les enquêteurs de l'IGPN qui contrôlent les procédures ne sont pas toujours bien vus. Certains policiers, qui ont de la bouteille, ne se gênent pas pour le dire. Ils font partie du même corps, mais plus ou moins, ils sont pas de notre côté, ils sont de l'autre côté. Je veux dire, je suis pas sûr qu'ils soient toujours objectifs. Quand ils s'en prennent aux fonctionnaires de police, quoi. Dans quel sens ils seraient pas objectifs ? C'est toujours une suspicion. Une suspicion que le fonctionnaire a fauté. Or, je suis pas sûr que... Et c'est déstabilisant, il y a des moments. Mais je pense qu'il faut être sur le terrain pour pouvoir juger. C'est pas dans un bureau qu'on peut juger... Vous voulez dire que ce sont pas des gens de terrain ? Non, c'est pas des gens de terrain. C'est pas des gens de terrain. C'est plus des bureaucrates. Voilà par exemple une procédure que les policiers de Villefranche jugent trop lourde. Donc on va prendre celui-là qui est août 2012. Dans ce carton, des téléphones portables saisis en prison, ils sont destinés à la destruction. Comment ça marche ? Et les portables, ils sont détruits comment ? Les portables, avant au pilon, non ? Alors c'est manuel. En fait, au lieu de les détruire réglementairement dans un incinérateur agréé, les policiers de Villefranche ont recours à des moyens un peu plus expéditifs. Des téléphones détruits à coups de marteau. Le commissaire Villard n'en revient pas. Ça va à la déchetterie de la cabine. Et le contrôle va se poursuivre durant 2 jours. Aucun service ne sera épargné.